2800 personnes, plus de 2800 en 10 secondes, c'est très très bien les gars, franchement très très bon ratio. Premier commentaire, merci les gens, mais tu veux dire mettre ton commentaire ni oui ni non les gars, on a repris, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu, on a mis une nouvelle vidéo, on a repris les pranks aussi dans la rue, et oui j'allais me faire tabasser, mais comme je suis un Jedi, je suis pas tombé, on n'a pas lâché. Tenu debout, la vérité, dans le prank j'ai dit qu'il m'a même pas fait mal, mais en vrai là, en fait j'ai senti d'après, je vous jure, j'ai eu mal, mais d'après sur le coup, avec l'adrénaline, j'ai pas eu mal. Mais après, frère, je l'ai senti, et là même, ah, ça fait mal. Il a un bleu. Ah, j'ai un bleu, frère, ah voilà. Ni oui, ni non. J'ai l'impression que ça vient direct des fois. De ouf. Bon, les gars, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous reprendre. On va prendre Mister Boris Becker directement. Est-ce qu'il est là? Ni oui, non, les gars, je il va prendre ta place à vie, on devrait faire une conférence. Oh là 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 là. Alors, la grande question, est-ce qu'on va faire des pranks le matin et faire des lives le soir? Est-ce qu'on va être des gens super actifs sur les réseaux sociaux? Moi, je propose qu'on continue sur les lives, ça veut dire on fait des pranks le matin et tout ça, on divertit un peu les gens. Mmh. Et le soir, eh ben, on fait des lives, mais des lives de folie, de fou patate. On fait participer les gens avec des gages de fou. Et donc, comme ça, les gens, ils sont déjà dans le jeu de l'action. Comme ça, ils comprennent un peu notre univers, ce que nous, on ressent par rapport à ce que nous, on fait comme vidéo. Et ça, ça peut être une bonne idée. Comme ça, les gens, ils seront encore plus dans notre délire. Et tout ça, ils sont cool. Les gens, ils en marquent. Et tout ça et tout. Les gens, ils disent, lâchez surtout pas les lives. Bon, les gars, en tout cas, on va essayer de vous faire des pranks, plus des lives. Go quitter le live. Les prochains séjours. Go quitter le live. Il était sur la Wi-Fi. Il était sur la Wi-Fi. Du coup, comme première personne, j'aimerais bien prendre Monsieur le Belge. Attends, on va attendre Boris quand même. Ouais. On va attendre Boris. Boris, tu viens? Let's go! Bientôt l'été aussi. En été, les pranks. Il y aura encore beaucoup plus de pranks. Il fait beau. Il fait beau. Et voilà. Ah, quand même, c'est un taf, prendre des balayettes le matin. Ah, c'est vrai, frère, c'est pire qu'une balayette, là, ce que j'ai reçu. En tout cas, il t'a trouvé ta halal. Non, j'ai abandonné, je fais plus de halal. Bon. T'es trop costaud. Ouais, je sais, je suis trop costaud. Bon, je suppose qu'il y a personne qui va fermer cette porte, c'est ça? Pierre fait ciseaux comme à l'ancienne. Que je propose. Non, d'abord, pas de temps. Pierre fait ciseaux, 1, 2, 3. Oh, c'est le cas. Je voulais faire papier de base. Ah, normal, il aurait pour frapper. Tu sais qui je vais prendre là? Faire prendre qui? Ah, tu verras, c'est un invité bien spécial. Bien spécial. Moja! Moja est dans la maison. Alors, on va c'est un maximum. Attention. La crème, c'est très important, mais... Oh là là, toi, ça se voit depuis le confinement, t'as pas mis de crème. Oh là là là, oh là 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 là. C'est très très important. Oh, chute. Il est fou. Qu'est-ce qui va pas? Moja, bonsoir les gars. Je sais que le confinement change les gens, mais il faut pas en abuser. Tu abuses quand même. Moja, qu'est-ce qui s'est passé, Moja? Mais c'était une entrée en scène. C'est vrai, il t'en reste là. Ah, oui, c'est pas pris, Moja. Il te reste un peu de plan ici, Moja. Vous avez un regard? Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Les gens qui t'ont pas vu poser la crème, ils vont faire autre chose. Moja, t'as un peu de temps ici. Là aussi. Bon, Moja, ça dit comme scène. Ouais. Ni oui, ni non. Je t'explique. Ni oui, ni non. Ouais. Le jeu, ni oui, ni non, tu n'as pas le droit de dire oui, non, yes, no, ouais. Yeah! Ok. Tout ça, tu n'as pas le droit. Et le ok? 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 Ok?
mi et les si sont validés. Ok. Le jeu commence à partir de maintenant. T'as quel âge? 27 ans. 27 ans? Ouais. T'as perdu. Attends, on peut commencer. Vas-y, une seconde chance. Je t'ai pas fait. Regarde, c'est impossible. Là, t'as vu mon gars là? Il est vraiment trop fort. Donc, quand t'as perdu, t'as perdu. Franchement, on se connaît depuis longtemps, Boris. Allez, on se connaît depuis longtemps. Très bien, mais regarde, moi aussi je t'aime bien. Mais t'as perdu. Perdu, c'est perdu. Juste, on recommence rien. Regarde, on recommence. Promis. Ah, je te jure, promis. Non, mais t'as perdu. Vas-y, on se promet. C'est impossible. Et je vais faire une question. Hé, je ferai tout ce que vous voulez. Un sale gage. Je vais faire un sale gage. Si je perds, la deuxième fois, si je perds, je fais un sale gage. Ça va. Hé, les gars, arrêtez de dire que j'ai bronzé de ouf. Tu ferais quoi comme gage si je perds? Attends. N'importe quoi. N'importe quoi. Je casserai ma télé si tu veux. Quoi? Non. Je déconne. Je balade. Non, je sais pas, mais ça fait mal. Dites-moi ce que vous voulez, je le fais. Attends, t'as dit si tu perds, tu casses ta télé? Ouais, mais bon, c'était pour rigoler, c'était sur le moment. Si tu perds là maintenant, tu casses ta télé. Casse ta télé. Oh! Mon frère! Mon grand frère! Ah ouais, mon grand frère! C'est mon grand frère! Hey, vous ne pouvez pas me laisser une deuxième chance? Vas-y, laissez-moi une deuxième chance, s'il vous plaît. Une deuxième chance. Ok, on va te laisser une deuxième chance, ok? Vas-y. Bon, attends. Tu m'as dit, je te laisse la deuxième chance, mais si tu perds, tu casses ta télé. Ah, vous, mais vous êtes sérieux, c'est pour rigoler. Comment? C'était pour rigoler, à fou. Ah, frère, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, attends, je commence à avoir chaud, là. Eh, si tu fais ça, il y aura tu vas monter à 10K facile. Direct. Attends, ma télé, mais à fou, je joue dessus et tout. Bon, vas-y, chaud. En tout cas, il faut savoir que c'est du jamais fait dans nos lives. Vas-y. Si je perds, je casse ma télé, vas-y. Si tu perds, tu casses ta télé. Si tu perds, tu casses ta télé. Ouais, je casse. Ok, va te faire un dernier bisou à ta télé. Ok. On regarde tout Netflix. Voilà, j'ai fait. Ok. Le jeu... Voilà, Mohamed Denis. Le jeu commence à partir de maintenant. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. T'es sûr? Les gars, doucement, je suis... Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu stresses? Un peu. Il y a ta crème qui commence à couler? Ah non, ouais. Oh, t'as perdu. Oh. T'as perdu. Vas-y, on commence. T'as perdu. Vas-y, on commence. Appelle-toi de là. Mais t'as perdu. Frère. T'as dit? Mais t'as déjà perdu. Qui ça? Toi? Pas encore. T'as dit le mot. J'ai pas dit. Je te promets que t'as perdu. T'as perdu. J'ai pas dit. Hein. T'as perdu. T'as perdu. Jouons. Tu vas bien? Mais tu racontes. Je te promets que tu as dit O-U-A-I. À quel moment? O-U-A-I? A-I-S. Quand à quel moment? À quel moment? Quand il y a le frère de Boris et tout qui est venu. Le frère de Boris, il est derrière. Je sais, mais t'as perdu, frère. Je te promets. À quel moment, Boris? Je te promets que t'as perdu. Je te mens pas, t'as perdu. Je te le promets que t'as perdu. À quel moment? Donne-moi juste le moment. Il y a 10 minutes de ça. On laisse les commentaires, comme ça tu verras. Tu veux voir dans les commentaires? Mets les commentaires. Regarde bien. Les gars, sincèrement, soyez honnêtes. Qu'est-ce qu'il a dit? À quel moment j'ai perdu? Quand Brian et tout, il est venu derrière. Tu vas casser ta télé. Là, tu devras la démonter, ta télé.
t'as perdu, frère. Et je te À quel moment, Bourriche? Je te le promets, t'as perdu. À quel moment? Regarde, tout le monde dit que t'as perdu. À quel moment? Mais j'ai juste besoin de savoir à quel moment. Il y a deux minutes de ça. Il y avait qui? Bourriche. Il y avait Brian. J'ai envie de dire Brian. Je pense pas à Foucault. La crème, elle est morte, c'est pas trop crâne. C'est vrai, tout le monde dit que t'as perdu. Boris, promets-moi, Boris. On te promet que c'est pas une technique. Fais le doigt. Regarde, je te dis même, t'as dit ouais. Je te promets que t'as dit ouais. Non, okay, c'est bon, ça veut dire que t'as perdu. Ok, ok. Et là, maintenant, je vais faire quoi, alors? Vous voyez, vous êtes mes franges, on a grandi ensemble. Moi, je vais pas. Si Boris, il dit ouais, toi, tu dis ouais. Fouca, il dit ouais. Itou, toi, tu dis ouais. Itou, tu dis ouais. C'est toi-même qui t'es donné ton gage. Tu as dit, si je perds, je casse ma télé. Tu as perdu, casse ta télé. T'es au moment, t'as vu, c'était... Casse ta TV. Côté de balayette. Ah ouais. En plus, il joue à FIFA, je suis sûr. Attends. Attends, je viens à la caméra. Recule un maximum ta caméra. Ok. Je recule un maximum ma caméra. Hey, tu vas bien la casser, hein, par contre. Vous êtes sérieux là? Voilà. Là, c'est bon. Attends, tourne un peu plus vers la gauche, la caméra. Où ça? Vers la gauche? Vers toi, légèrement. Comme ça? Vas-y, comme ça, c'est bon. Eh, les gars, enregistrez tout ce moment. Comme ça, c'est parfait. Ouais, mais je vais la casser avec quoi, frère? Je vais me niquer les mains. Avec ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai dit? En plus, les deux chances. Attends, je me pose. Mais pourquoi tu me poses? Mais pas pause, laisse le clip de Rihanna. Fais continuer. Attends. Et là, je pose dedans comme ça, ou bien? Ah, frère, on a dit casser la télé, tu fais comme à ta sauce, à ta manière. Attends, Oh! Ah. Respect ce que je fais. Ouais, mais là, je suis pieds nus, hein! Ou alors, courir! Avec tes pieds! Ouais, mais je vais saigner des pieds, wesh! Non, regarde, tu le fais avec tes pieds, tu enroules avec tes pieds et ensuite t'enchaînes! Bah! On roule dans ta serviette, là! Ok! Mets tes chaussettes! Comme ça! Ouais! Ou alors tu mets un coup de tête. Attends, je mets des chaussures. Attends. Ou alors tu mets un coup de tête. Tu mets un coup de tête plongeant. Tchou. Comme ça. Ouais. Attends. Non, moi, qu'une télé, c'est plus dur que. Attends. T'es prêt? Coup de tête! Enlève tes lunettes! Les gars, on roule juste en ouais, mais imagine, je ramasse l'électricité dans mes chats! T'inquiète, tu vas devenir un électricien! Putain! Ok! Attends, j'éteins la télé! J'éteins! Non, éteins pas! Les gars, partagez le live! Non, vous avez pas de place. Quoi?
Voilà. Eh, hey, Moja, Moja. Hein? Elle est déjà cassée. Enchaîne les coups de tête. Continue. Putain. Là, en fait, ensemble, les gars, une femiskine, abonnez-vous. Attends, attends. Hey, Moja, 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 est-ce que tu peux mettre un coup de tête, s'il te plaît? Mais regarde, regarde, la vérité. Regarde. Ça fait des équerres. X. Ouais. Ça fonctionne, si tu veux. La, 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 je suis un et il ça me fait mal. Oh, là, là, là. Moja, Moja, elle est déjà cassée. Est-ce que tu peux mettre ça un deuxième coup de tête? Putain, quoi? Est-ce que tu peux mettre ça un deuxième coup de tête? Elle est déjà cassée, de toute façon. Vas-y, c'est tout. Ouais, elle est déjà cassée. Enchaîne les coups de tête. Enchaîne les coups de tête. Oh. Encore, encore, comme chien. Taureau, taureau. Hey, ça va mes cheveux. Ça va mes cheveux. Les gars, abonnez-vous à lui. Attends, ah ouais. Attends, Moja, 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 s'il te plaît. T'étais à combien avant le live? T'as dit quoi, Moja? T'étais à combien d'abonnés avant le live? T'as dit quoi? T'étais à combien d'abonnés avant le live? Je sais pas, 3000? 3000 piles. Ok. 3000 piles? Les gars, par contre, je veux que son compte, il pète là. Là, ce qu'il a fait, il faut rentabiliser la télé, là. Il faut rentabiliser la télé, les gars. 3574. Putain. 3632. 3700. 4000. Putain. Moja est à 4000. T'es déjà 4000. Hey, Moja, tu fais aussi de la musique, c'est ça? Ouais, je fais de la musique. Voilà. Hippo, les gars, on va faire en sorte que Moja, grâce à sa musique, il puisse faire le son et peuple. Donnez-lui 10 000 abonnés, les gars. C'est parti. C'est parti. Il est en train de vibrer. Regardez son cœur, comment il est en train de. 5 000 abonnés déjà. 5000 abonnés, mais c'est un truc de fou. Les gars, en tout cas, Moja, Moja, il faut savoir que, un, tu mérites. De deux, c'est du matos, t'as des couilles. Les gars, attention, c'est un excellent coiffeur, incroyable, incontournable. C'est l'un de mes meilleurs coiffeurs jamais confondus. Donc, merci, merci, merci. Donc, en tout cas, la musique. Allez, tout frère. Mais on ne veut pas voir Docteur Idéologie, nous embrouille. Ah, ok, ok. On veut voir quoi? Heureusement, il n'a pas joué. Moja, Moja, en tout cas, il faut savoir que tu es déjà à 5400 abonnés. Et il faut savoir que tu es le meilleur coiffeur, un des meilleurs chanteurs, et tu es un des mecs le plus fou aussi. Donc, ouais. Franchement, mais ça, c'est quand on est tous avec vous, là, avec Boris et toi et Itsu. De quoi? C'est quand je suis avec vous, là. Après demain, je vais en Belgique, on se capte avec Boris. Ouais! Hey, Boris, joyeux anniversaire, mec. Je suis pas là, je suis en train de faire mon clip. Oui, mais regarde, tu vas me faire une coiffe. Vas-y. Ouais, vas-y, quand tu veux. Après demain, on vient en Belgique, on se capte avec Boris. Vas-y, vous venez à la maison, vous connaissez. Et en tout cas, respect, hein, parce que faire ça. Les gars, en tout cas, là, tu saches que t'as 5540 abonnés. Les gars, je veux pas le lâcher avant qu'il a ses 6K. Je veux qu'il a 6000 abonnés minimum, les gars. Donc, allez tous l'ajouter. Je veux qu'il a 6000 abonnés. Les gars. Et à ce moment-là, je vais lâcher. Qu'est-ce que là, les gars? Ajoutez-le, je veux qu'il a 6000 abonnés, comme ça, on peut le lâcher tranquillement. Parce que là, ce qu'il a fait là, il n'y a personne qui l'a fait. On peut le lâcher tranquillement. Putain, j'ai cassé ma télé, merde! Déjà, il va réfléchir à deux fois avant de demander pour participer. En tout cas, hey, Moja, c'est toi-même qui a demandé ton gage. Hein. Ouais, mais je disais ça pour rire au début, t'as vu? C'est toi qui as dit. Je vais casser ma télé si je perds. Donc, ouais, mais Foukaï, combien de fois, Foukaï? Boris, combien de fois on a déjà rigolé, on a dit des bêtises comme ça plusieurs fois? Ah, frère, là on est en live. Hey, toi, toi et moi, on se connaît depuis 2012. Les gens ils disent que t'es un boss. Franchement, c'est un boss. Les gars, encore 100 abonnés, les gars. On peut le faire, encore 100 abonnés, les gars. Ouais. Putain, 100 abonnés. Encore une centaine d'abonnés, les gars. Franchement. Si on fait ça, je serais trop content pour lui. Foukaï, plus jamais je te dis un truc. Plus jamais. Plus jamais je te dis un truc. Je te jure, plus jamais. Ah ouais? Plus jamais. Même pour rien. Moja, je m'engage, je te rappelle. Ah ouais?
Ouais, la vérité, plus grande. On a une télé pour toi, t'inquiète. Ah, non, je te dis la vérité. Je vais te ramener une grande télé. Moi, déjà, tu viens de faire 6000 abonnés. Ouh. Je suis content pour toi. En tout cas, force pour ta musique, force pour tout et désolé. Ouais. Merci à toi. I trust the worst. On se capte. Eh, hey, Boris, les gars, dis au revoir. Trust the worst. À toi, mon grand frère. Vas-y, Stour. Vas-y, respect. Bon, prochaine personne. Prochain sur la liste, c'est. Prochain sur la liste. La liste d'Itsu, les gars. Itsu, son nom épinglé juste là. Ok. Du coup. On va mettre. Attends, on va voir si Monsieur Hakima est là. Hakima. N'oubliez pas de vous abonner à Itsu et à Boris pendant le live. Ok. On sent pas les couilles, c'est ça? Non, je rigole. Comment est-ce que la personne encore? Ici. C'était pas ça, c'était. Oh, attendez les gars, je cherche juste la personne. Oh, c'est incroyable. Oh, ça fait plus d'une heure là. Regarde. Oh, c'est très grave. Les gars, il faut qu'il y ait fait 100 000 vues en moins d'une heure. Ok, j'ai trouvé. Tac. On va prendre cette personne là tout de suite. Ok, elle est là. Parfait. Tiens. Go. Ah, ce soir c'est chaud, les gars. Ce soir c'est très chaud. Hello. Ta connexion bug. On te voit pas. On te voit. Non. T'as perdu. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, mais arrêtez, trichez pas. C'est un bougage parce qu'elle est bien. Attends, ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis là. Du coup, tu connais le principe du jeu? Ouais. Ok, tu n'as pas le droit de dire oui, non, non. Yes, no, ouais, yeah. Ok. Si elle est ok, tu peux. Ok. C'est parti. Le jeu commence à partir de maintenant. Ça va? T'as quel âge? 27. 27? Ouais. T'as perdu. Oh. Non, s'il te plaît, une deuxième chance. C'est pas possible. Non, mais je voulais faire ça. Je sais, c'est le show qui j'ai même un gars que j'avais prévu pour vous. Ah ouais? Mais j'ai trop les nerfs. Ah, sincèrement, tu croyais que t'allais nous battre? Non, mais pas tout de suite, dès le début. Franchement, je pensais que ça allait arriver avec le temps. Enfin, pas cash, quoi. J'ai trop les nerfs. Il faut savoir que t'es très nul, quand même. J'allais te poser une question si t'étais fan de Michael Jackson. Pourquoi? C'est un bâtard, faut pas l'écouter. Je dois le prendre bien ou je dois pas bien prendre, le... là? Prends le bien. C'est une star, c'est une idole. Bon, comment tu t'appelles? Funda. Funda, t'es turc? Ouais. Oui. T'es d'où, Turquie? Izmir, Eskişehir. Ah, ok, moi aussi je suis turc. Et t'es d'où, toi? Moi je suis de... Attends, on fera connaissance après. Bon, non, je suis près d'Antalya. Boudour, près d'Antalya. Ah, ok. J'ai de la famille. C'est cool. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Comme gage. Bon. Attention, on touche pas le visage, on touche pas les sourcils, on touche pas tout ça, là. On touche pas tout ça, là. Voilà. On touche quoi, alors? Franchement, moi j'ai un gage en tête, mais je sais pas si tu vas vouloir, mais c'est un truc que moi j'avais prévu en tête, tu vois. Je sais pas si c'est toi qui veux me donner ton gage ou. Attends, j'ai un petit truc sympa. Voilà. Propose quand même, j'aime bien prendre des propositions des gens. Donc dis-moi le gage que tu peux faire, la dinguerie que tu peux nous faire en plein. Par contre, si c'est nul, non. Ok. Non, bah, que je propose? Dis-nous. Genre, en fait, moi je sais faire la voix d'homme. Genre vraiment la voix d'un homme. Fais-nous un petit truc. Fais la voix d'homme. Ouais, salut, ça va quoi? Franchement.
Attends, j'ai plusieurs bases. Christophe Salim et elle en Et le pire, c'est que mes abonnés le savent pas non plus. Genre, vraiment, il y a que mes amis proches qui savent que je sais faire ce petit truc-là. Alors, genre, c'est trop marrant, ce truc. Attends, mais pourquoi elle parle avec nous en mode bonhomme, t'as capté? Ouais, donc voilà, tu vois, je sais pas, ça fait quoi les gars? Viens quoi? Bon, on est là, hein, toi, ça dit quoi? Ah, ça va, tranquille, hein. Écoute, on est là, tranquille quoi. Quand vous calmez. Oh, vous savez que. Vous savez que je me suis déjà fait passer pour un travesti et tout, genre ça marche de ouf, et voilà. Mais t'as pas mal à la gorge quand tu fais ça? Non, franchement, j'ai pas mal à la gorge. En plus, je préfère même deux voix, genre. Je commence. J'ai vraiment pas mal à la gorge, ça crève, ça passe crème. Après, je peux parler comme ça, normal. Et ensuite, je peux cacher reparler comme ça. Non, mais sérieusement, t'as travesti ou pas? Je savais, je savais qu'il y avait un truc qui avait. Je me suis dit, il y avait un truc qui louchait. Tu te maquilles trop bien. Non, mais arrête, mais. Je savais que t'étais un homme aussi. Il m'a dit au début Michael Jackson. Je savais, j'ai dit Michael Jackson. Parce que je me suis dit, non, il y a un truc qui va pas. J'ai dit. Ah, c'est pour ça que tu m'as sorti Michael Jackson, ça veut dire que j'ai quand même une tête de travesti en fait. Non. Non, attends, nous on le remarque direct de toute façon. Montre-nous ton menton. Montre-nous ta mâchoire. Regarde de profil et tout, il n'a même pas refait mon nez. Regarde, il y a juste la petite poire là qui sort quand je fais la voix d'homme. Genre, tu vois, quand je fais la voix d'homme. Ah, t'es travesti, c'est sûr. Au final, j'en peux plus. Voilà, tu vois, c'est un bon gage, non? Genre, attends, t'as refait ton nez, c'est ça? Bah, je peux engrainer une personne, en fait, genre un pote à toi qu'on peut appeler, ou une copine. Attends, mais t'as pas compris, mec, t'as refait ton nez. Pardon. Comment? T'as refait ton nez? Non, pas du tout. Hein? Non, j'ai rien refait. Là, elle va nous niquer. Imagine, après le live. Ouais, et tout. Le quoi, si je touche à toi, Oh non, le pire, c'est que ça marche trop bien. Attends, mais imagine maintenant des gens, des mecs, ils viennent te draguer dans la rue, tu leur dis quoi? Harceler. Genre, ils te font, ah, mademoiselle, franchement, le boule là, oulala, toi tu fais. Je le regarde, je fais, frère, t'es sérieux quoi, frère? Entre frères, t'es quoi là? Est-ce que tu l'as déjà fait en rue quand quelqu'un te drague? Dans la rue, je crois que j'ai jamais fait, non. Dans la rue, j'ai jamais fait. Si, une fois. Tu es de où? Une fois, quand j'étais en vacances. Tu es de où? Comment ça, de où? De la Turquie? De Strasbourg? Strasbourg? Oh non, merde! Tu sais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que tu fasses des pranks avec nous. Avec nous, direct. Arrête, ça aurait fait trop bien! Ah, laisse tomber. En plus, nous, on a repris les pranks là, on a posté une vidéo. Ouais, on vient de poster une nouvelle vidéo. Je voulais en faire une en plus aussi, mais ouais, j'ai pas eu. On a fait une vidéo, j'allais me faire démarrer en plus et tout, il y a eu embrouille et tout. J'ai balayé. Non, j'ai pas balayé. Et pourquoi il avait un peu la haine d'aller? Franchement, gars, vas-y, tu m'as fait mal. Mais gars, son genou, il faisait ça. Mais non. Il m'a mis un kick. Je vais regarder. Il m'a mis un kick avec cette botte de sécurité, là. Genre, même les camions, ils passent dessus, il va pas le sentir. Et il m'a mis ça. Paf. Mais non, il faut que je regarde la vidéo. Okay. Mais on peut en faire hein, quand le déconfinement il sera terminé pour de bon. De toute façon, je viens souvent à Paris, donc j'essaie de venir. Paris. On va faire une dinguerie, t'inquiète. Ouais, franchement, donc, ça va cartonner. Donc, j'ai pas oublié ton gage, t'inquiète. Du coup, ton gage, ce serait d'appeler un mec en faisant une voix d'homme et l'embrouiller. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de déformer le nom de Fukai. On l'appelle Fukzai, mais non. Fukuzai, c'est pas possible. Du coup, attends, est-ce que t'as des numéros genre de potes quoi que tu peux appeler? Ouais, je dois avoir ça sûrement. Faudrait que je regarde. Donc tu veux que j'appelle un gars en fait? Ouais. Pour l'embrouiller. En mode, tu lui dis, ouais, c'est toi, t'as touché ma petite sœur, un truc du genre. Ouais, vas-y. C'est pas mal ça. Alors attends, je regarde. Ouais, j'ai quelqu'un en tête. Ça pourrait être trop bien. Parce qu'en plus, cette personne-là, genre, il lui est déjà arrivé un truc comme ça avec une fille avec qui il est sorti. Et son grand frère est intervenu, tu vois.
Genre, son grand frère, il est venu, il a fait la misère à la meuf et tout. Genre, il m'est déjà arrivé un truc comme ça avec un pote à moi. Et je pourrais l'engrainer, il saura jamais que c'est moi. Toi, tu vas faire comme c'est si. C'est le seul qui vient à l'esprit, là. Toi, tu vas faire comme si t'étais le grand frère. Voilà. Meuf, voilà, t'as tout compris. Voilà. Ok. Tu sais, qu'est-ce que tu lui dis? Non. Tu lui dis que. Elle est enceinte à cause de toi. Non. Et je vais galérer à parler avec la voix d'homme, hein. T'inquiète. Fais des pauses de temps en temps. Mais genre. Ouais, vous m'aidez aussi de temps en temps parce que vu que je fais deux personnalités quand même, tu vois, ça va être chaud quand même. Ouais, il faut surtout pas qu'il entende la voix de femme en fait. Franchement, crois-moi, on a confiance en toi. On a coco en toi. T'as le loup coco. Non, attends. Faut que je rétais juste. Ça s'appelle Paul. Ok, du coup, je l'appelle quand? Comment? Je l'appelle quand? Quand là, tu veux. Suite, là, tout de suite, là. Là, oui, là, tout de suite. Comment là, il dit donc. Attends, je vais là. Et rapproche un peu le téléphone à la caméra. Et montre pas le numéro. Montre pas le numéro. Ouais. Montre l'arrière du téléphone. Ok, donc là je vais dire, je vais m'envoyer avec lui. Ok, d'accord. Ok, faut que je... Ouais, c'est toi, t'as pécho ma petite soeur. Hey, t'as le nom de la fille là qui l'avait draguée? Ouais. Comment elle s'appelait? Kelly. Ouais. Ok. Ouais. Tu dis, je suis le grand frère de Kelly. Ok, par contre là il y a le confinement, du coup je fais comment? Attends, vu qu'on a été confinés pendant 2 mois là, je fais comment pour dire qu'elle était enceinte ou des trucs comme ça? Bah tu lui dis, vous avez fait des trucs avant, est-ce qu'ils se sont juste parlé, pécho et tout en boîte ou alors ils ont fait des bails? Ok. C'était une question. en fait c'est un pote à moi qui travaille en boîte, donc c'est un serveur. Oui mais est-ce qu'il a fait des bails avec Kelly? Ouais, oui. Ok, tu lui dis qu'elle est enceinte à cause de lui. Pourquoi tu crames la chose, dis donc? Non, okay. Ok, ça roule. Bon, j'appelle. Ok. Go Kelly, elle t'a cramé. Go Kelly, elle t'a cramé. En plus, il a un surnom, on l'appelle Paul le Chinois. Ok. Allô? Ouais, c'est qui? Oh, c'est Paul. Ouais, ça fait qui, toi? C'est Paul le Chinois. C'est qui, toi? T'as pas besoin de savoir qui je suis. Écoute, ça va être simple. Tranquille. Écoute. T'arrives, je connais pas ton numéro. T'as pas besoin de savoir qui je suis, moi, je te dis. Écoute, ça va être simple. Ça va être simple. Apparemment, t'as moyenné ma petite sœur. Apparemment, t'as moyenné ma petite sœur Kelly. Je m'en bats les couilles. Oh, déjà tu vas baisser ta tour, moi je suis pas ton pote, je te dis, je suis pas là pour rigoler. Oh, moi je suis pas là pour rigoler. Oh, t'as moyenné ma pote, ma petite sœur Kelly. Est-ce que ça dit quelque chose? Ça dit quelque chose ou pas? Le premier week-end de mars. Ça me dit rien du tout. Ok, bah moi je t'explique un truc, ce que je vais dire là, tu vas assumer les conséquences. Ma petite sœur, elle est enceinte de toi. T'as compris? Ça veut dire maintenant tu vas assumer les conséquences. Attends, ouais, fais ton kéké. Oh, je t'explique là, c'est le déconfinement. Bref, t'as mis ma petite soeur enceinte, tu vas assumer, on va se voir, je vais te proposer un octogone, on va se voir. Attends, je vais te dire, mais qu'est-ce que tu bégayes, frère? Dis-moi, en mars, il s'est passé quoi? Il s'est passé que t'étais dans une boîte de nuit. Le Kiss. J'ai fait mes recherches sur toi, je sais que t'étais là-bas. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec ma petite sœur. Elle est tombée enceinte de toi. Et tu vas assumer, mon pote, c'est tout. Tu vas assumer, t'as voulu faire ton malin. Assume ton octogone. Attends. T'as peur? T'es une petite brune ou quoi?
la seule issue, c'est la bagarre. La seule solution, c'est la bagarre.